Nicolas, qu'est-ce que tu retiens de cette victoire sur l'ASBH ce soir? La victoire, déjà pour commencer, et puis l'investissement au moins sur une heure de jeu. Après, Béziers a jeté tout son batou. Ils étaient, à mon sens, un peu inexistants. Ça fait un match un peu bizarre parce que eux n'y étaient pas, nous on s'engageait. Enfin, il y a eu un match un peu particulier. Puis leur batou, c'est une heure de jeu quand ils changent, je crois, 6 ou 7 joueurs. Je crois qu'ils ont changé pratiquement tout le monde d'un coup et que. Qui fait, on s'est mis un peu dans le dur, on était un peu dans le rouge à ce moment-là et que eux ont repris un peu le dessus. Quand je dis leur batou, ils ont contre-attaqué vraiment de partout, ils ont pris des initiatives de partout et voilà. L'essentiel est préservé, on a encore une victoire à domicile et c'est ça qui est le plus intéressant. Oui, à un moment donné, vous avez même eu le bonus offensif, à un moment donné. Oui, c'est le petit regret de ce soir parce que je crois qu'il y avait vraiment la place pour le prendre. Maintenant, quand, comme je le dis, avec cette rotation au bout d'une heure de jeu, je crois qu'il fallait à un moment ou à un autre que cette équipe, à un moment, elle se rebelle un peu aussi. Donc voilà, on a répondu quand même présent, on gagne 35-22, je crois. Donc voilà, le boulot est fait. C'est, comme l'avaient dit les joueurs, je crois que les joueurs ont démontré ce soir qu'ils n'étaient pas en vacances et qu'ils avaient envie d'acter le maintien parce qu'on a enfin acté le maintien.